Vu les pyjamas que la dernière fois? Comment ils faisaient? Ça marche. Ils dansaient? Ils chantaient comme ça? Comment ils faisaient? Pyjamas. T'aimes pas? T'aimes pas? C'est les vitamines, il faut? Pas. T'aimes pas? Oui. Oh mon poussin. Bah oui, mais c'est le miel. Il faut prendre le miel le matin. C'est important. C'est pour vous donner des forces et les vitamines pour la journée. Bah, il faut mes poussins. Allez, on va s'habiller pour l'école. Les petits poussins. Luna, le matin, quand elle se lève, direct, elle fait des trucs. Hein. Activités, des trucs. Tous les matins. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi j'étais à l'agence aujourd'hui. Sauf que normalement Luna elle devait quitter l'école à 4h20. J'ai reçu un mail au dernier moment en disant il pleut, orage, etc. Faut venir chercher les enfants tout de suite. Donc heureusement il y a une maman d'école, une copine qui a pris Luna. Donc là on est chez elle, je suis venue la récupérer. Et en plus c'est la maman de son amoureux. Donc elle était avec son amoureux. Et donc maintenant on va récupérer Baby Vito. Voilà, après on rentre à la maison. Et demain il a son spectacle d'Halloween. On va aller le voir. Hein? On va aller le voir. Tu chantes? Alors, on est venu dans le jardin. Écoutez les orages. Il y a des éclairs dans le ciel. Écoutez, ça va arriver si on entend. Ils ont pas l'habitude. Tu l'as vu? Non, il se calme un peu là. Non, il est en colère le ciel. Des fois, il est comme nous le ciel, il est en colère, écoutez. Il gronde. Oh, t'as pas vu Vito? Qu'est-ce qu'il fait l'éclair? A qui allumé? Oh, regarde. Ah, là-bas, il y en avait un là-bas. Ah, ils sont comme des fous. Oh. Là, il est en train d'hurler. Ah là, c'est le spectacle du coup, vu que tous les enfants n'ont pas l'habitude de voir ça. Oh non! C'est le spectacle. C'est genre le feu d'artifice. Oh. Ah là, c'est le spectacle, je vous le dis. Ah merde, c'est toi, maman. Ah oui. Oui. Oh, ça fait trop bizarre de voir Dubaï, le ciel comme ça. Incroyable de voir le ciel comme ça. Ça fait trop bizarre. Vous entendez, il gronde, hein? Oh là là. On a rarement vu Dubaï comme ça. Oh, deux éclairs en même temps. Maman, là. Ah, mais moi, tu sais. Vas-y, c'est bon. À chaque fois, il dit attention, mon pied. Oh, il était trop content. J'ai dit demain. Mais non, n'aie pas peur, ma vie. Tu vas mettre quoi? Tu veux mettre quoi? Ok. Allez, c'est monsieur qui choisit. Me retourne pas tout. Hein. Ok. Pendant que maman fait la purée. C'est qui à la télé? Pas de patrouille. Il regarde sa culotte parce que c'est comme sa culotte. Regarde. Putain, mon.
Bon appétit Vito, la bonne purée maison de maman et la petite viande. Allez, attention, c'est peut-être chaud, faut souffler. Hein. Oh, ok. Un plaisir de le voir manger cet enfant. Il fait sa petite tambouille et il mange. Tu souffles ma vie. Maman, elle souffle? Non. Non, c'est bon? T'as vu, il y a plein de fruits et de légumes sur ton set. Il y a des tomates. Oui, il est à l'envers. Regarde, il y a des carottes ici. Non, non. Ouh là là, le tata. Bon, oui, je sais. Encore voulu mettre le truc de sa sœur. Je galère, mais bon. Bon, je me rassure en me disant que je ne suis pas la seule à vivre ça. Je vois plein de copines sur Insta qui ont que des filles et qui ont un petit mec et qui me disent bah, il veut s'habiller comme ses sœurs. Donc voilà, peut-être ça lui passera. Donc les carottes ? Four. Four. One, two, three, four. Il y en a quatre. Elle respire ta sœur. Comment il faut qu'elle fasse? Comme ça? Elle a eu de bobo, alors il a direct pris ça pour la soigner.